Est-ce que ça vous arrive, quand vous vous réveillez le matin, de ne pas avoir envie de vous lever ou d'aller travailler et de ne pas vouloir vous plier encore à la même routine? Ça veut dire que vous ne travaillez pas dans l'industrie minière. Dans cette industrie, il n'y a vraiment pas de routine. En tant qu'ingénieure minière, je suis responsable de toute la planification qui est requise pour l'ouverture d'un nouveau secteur minier. Pour préparer l'exploitation d'un secteur, on analyse, moi et mon équipe, toutes sortes de données en utilisant des logiciels spécialisés. Je fais ça pour estimer la quantité de minerais, pour déterminer si la formation rocheuse va permettre une stabilité adéquate et pour savoir si oui ou non la ventilation est appropriée pour l'exploitation minière. Et sans doute, ce qui est le plus important, d'établir combien ça va coûter avant que le secteur soit prêt pour les opérations. Mais tout ce qui se fait dans l'industrie minière résulte d'un effort de groupe. Dans mon équipe, je compte sur l'aide de professionnels chevronnés, un ingénieur junior, deux arpenteurs, deux techniciens, le tout en collaboration avec le groupe de géologues et les autres départements. Ils m'aident à recueillir et à organiser l'information dont j'ai besoin pour faire mes recommandations. Si nous décidons d'aller de l'avant avec l'excavation d'un secteur, la prochaine étape consiste pour moi à travailler avec mes collègues des opérations minières pour que nos plans se transforment en une mine fonctionnelle. Nous passons à la loupe les plans et nous préparons des plans de travail détaillés pour tous les aspects de la construction. Nous veillons à ce que les employés complètent chaque tâche selon les spécifications. Et nous établissons des échéanciers fermes pour chaque étape du processus de la construction. Nous nous penchons sur les éléments de sécurité. Quand il est question de sécurité, on ne peut pas prendre de raccourcis. Lors de la conception, les ouvertures doivent être sécuritaires et conformes au règlement. Comme vous pouvez le constater, un ingénieur minier qui a du succès doit trouver le parfait équilibre entre les aspects techniques de l'ingénierie, les formations rocheuses, la ventilation, la sécurité et la gestion moderne des affaires. Les coûts de production, les besoins de main-d'œuvre, la planification de chantier. Il faut posséder des compétences techniques et des compétences de gestionnaire. Vous devez aussi être un bon communicateur. Vous travaillez avec plusieurs personnes qui exercent des métiers variés. Et bien sûr, avec un agenda si chargé, vous devez être organisé. Cela veut dire établir des priorités, accomplir des tâches et respecter des échéanciers. Dans cette industrie, il n'y a vraiment pas de routine.